Ah, non. Allô? Bah. T'as cassé le stream? Non, pas de truc monté là. Celui-là a l'air de marcher, mais l'autre du coup il marche plus. C'est celui-là. Ouais, du coup celui-là je sais pas ce qu'il a. Bon, je vais on verra tout à l'heure. C'est pas très grave. Du coup j'espère qu'on nous entend au moins sur le stream. Oui, c'est à moi. Merci. Allez, du coup on est là pour le top 3 de Street Fighter 6, le ranking de Lyon. Ça y est, on y est, on est là. Et yo Carnoult. Alors du coup on a Hakim contre Lilmu. Ouais, c'est bon. Alors deux secondes. Yes. Allez, du coup, ranking top 3 en FT2 tout le long. Ouais, tu peux le mettre, mais je crois, je sais pas s'il fonctionne le casque. Mais sinon, attends. Vu que moi je suis un schnapseur fini, on peut changer. Je vais voir un truc. Attends, deux secondes. Vas-y, essaye de parler dans le casque. Test 1, 2, 1, 2. Ah, ça marche. Parfait. Vous avez peur, ça marchait pas. Bon. Du coup, je suis rejoint par Akko. Vous pouvez être ensuite Akko. Hakim, il est chaud, il est effectivement. Alors, attends, tiens. Ah là c'est bon. Ouais, là c'est là, test c'est... test. Merde. Ah, là c'est mieux. Ouais. Test c'est mon casque à moi qui doit être mort. Ah. Ouais. Merde. Non, vas-y, mais commente donc. C'est quoi la, le commentateur? Moi je vais voir la régie. Ouais, là on est parti sur un petit pressing d'Hakim. Il se fait interrompre par un petit light punch suivi du sumo press. La part de Lilm. Un petit pif, ça passe. Setup pour placer à level 2. Et là, il va falloir croiser les doigts pour bien garder. Il prend l'overhead. Suite au drive rush, le petit combo, ça juggle avec la tornade, le kick, hop, une petite mise à terre, on est bien. Là, le chimique est bien trouvé de la part d'Hakim, ça va pas encore tuer, mais il est vraiment plus très loin d'en finir. Il a pris le pif, pas grave. Il reprend le contrôle du centre, le burnout qui est passé, Hakim là qui a les cartes en main là pour prendre ce round, et l'anti-air avec le dragon X. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. On est reparti. Ah oui, là ça fonctionne. Ah, là. Là on est bon, là j'entends. Et la chop qui est trouvée par Hakim. Le sumo presse pas le perfect pari, c'est dommage. Bah, Lil M a perdu pas mal de drive. Oh, le perfect pari. Okay. Il a pris du chimie tout à l'heure, maintenant il déchoppe plus. Allez, fais attention, c'est ouf. Ah, il a voulu punir en drive rush. Oh, joli. Level 2, si le main game passe, je pense que ça tue. La shop, il a une droite à un deuxième main game. Joli. Nice anti-air ça. Oh, il a voulu. Oh, ouais. Bon, il a tenté un petit pif là comme ça pour pas se faire embrouiller. Au moins, il a mis le main game en place. Il a envoyé deux, super dans le round. Dosco, il va. Et c'est chiant pour le contrer la Doskoy ça à l'autre bout de l'écran, quand c'est pas perfect Paris c'est dur. Joli là, du M qui est contre le HP Projo là. Il connaît. Ouh, le sumo presse qui passe. Oh fou, il a phase. La spéciale. Ouf. Ouh. C'était pas une punition, il avait juste pas la garde. Sur ce pari là, oh bien joué ça, ce drive rush Bamka. Oh oui, le mix, la garde est compliquée. Oh là, dessus là sur ces mix de Rachid, on sait pas où mettre la garde. Jolie estimation des dégâts, il a tout envoyé sachant que ça allait tuer. Oh joli le backdash. Ah oui. Bamka drive rush, les technologies de anti Honda. Hakim il a un spacing de toute façon. Oh, petits oignons. Oh oui, le petit perfect pari. Ça change du coin ça. Non, dommage.
Spinning Mixer, X. Ah oui, le nice match. Oh, la chose P. Hop. Ça part dans tous les sens, c'est Rachid qui chope à la fin. Ok, il fait le petit projo pour pas le laisser mettre les bas de 6 points. Oh, Lil M là qui a bien chopé le pari. Il est en train d'attaquer la barre de drive. Oh non, ouais, le burn-up qui est trouvé, ça va être compliqué là pour Hakim s'il réussit pas. Attends, oh, évoluer. Et là c'est la gratte. Ça gratte, c'est ça gratte, ça gratte, ça gratte. Bien joué de la part de Lil M. Honda en burn-out, faut pas être en burn-out contre lui. Hein. Là, la gratte à des 1000 mains, tout ce que tu veux, tu prends cher. Oh, ah non, oh, pff, je counter combo. Ah oui, joli, le MP counter hit, BMK. Qui a bien été converti, cette fois-ci il réussit pas à trouver le mythi, et c'est l'IM qui a le combo. Il fait le dragon X pour entier. Bon score, bon score. La barre qui remonte, Hakim qui temporise bien pour retrouver sa barre de drive. Bon score. Oh joli, parfait de parler dans ce drive rush. Et on remet une énième level 2. Le low qui rentre, le petit combo. Il a une deuxième mix-up avec l'overhead qui passe. Le petit rebond et ça tue. Ouais. Le 2-0 pour Hakim. C'est allé vite. C'est allé très vite. Du coup, il mute du reste. Là on a quoi? On a JP du coup. Un petit JP. JP, JP. Je parlais justement avec lui, je sais pas, j'avais pas trop suivi les nerfs. Ouais. Je savais qu'il avait pris des trucs, mais je me souvenais plus quoi. L'amnésia, ça je m'en souviens, hein, le combo il y a un damage Redus. Mais... j'avais oublié le BHP. Ouais, le BHP, mais ça reste toujours le même. Hein. Le JP, quand j'ai rejoué sur le jeu, le BHP ça marque toujours. Hein. Je crois que ça a été nerfé, mais en fait non, hein, ça a pas été... Bah si, ça a été nerf. Parce que tu joues Camille, machin et tout, faut que tu reprennes ton Ken. Bah non, je jouais Ken contre son JP. Son HP, il est invincible sans son HP. Ah, Ken. Bah non, moi justement, je le fais casser, du coup, j'ai pas les bons timings qu'il faut. Il est incassable. Moi, je fais son HP, je fais son gros, je fais tout ce que je veux. JP, il fait pas gros point. Luc et Ken, c'est les meilleurs sauts. Ah, bah je sais pas. C'est mon Ken, il est low tier en fait. Quand je le prends, en fait, normalement, il est censé être S tier, mais toi, il est pas sûr. Tu dois le faire bas. En mode, tu joues, t'es honnête. Bah oui, je les autres, ils le font au sommet, il est actif pendant une heure. Et ah, mais c'est ça, les strats aussi. C'est les strats, c'est de taper haut. Maintenant, je tape en fait, justement, je saute et je tape justement quand je vais. Ah, j'appuie ou quand il va taper, justement, quand il va toucher. Oui, moi j'ai Luc, Ken, si j'ai pas un dragon, je tire pas. D'accord. je parie. Faut pas les embrouiller. Ah mais je pensais moi je tape super super bas, oui, je tape vraiment quand. Bah, sur la tête du perso, pas tout de suite. Disons je perds justement que en fait le coup il est pas assez actif, du coup il vient pas toucher. Du coup je me fais baiser, ils sont là, ils te font tout ce que tu veux et c'est fini quoi. La guerre. Alors Honda. JP, ça c'est un matchup exotique. Est-ce qu'il va pouvoir envoyer du Doskoi à travers la vague d'ombre démoniaque? C'est vrai que ça, Honda là, si un JP comme ça il zone bien. Hey, petit spear. On est bien. Shenzhen il a posé sa tente, il envoie ce truc. Un petit Doskoi qui passe. Autant d'où tu viens. Oh, le c'est... Magnum était bon, dommage, c'est pas entré. Oh, pfff. C'était juste pour reprendre le contrôle. Ouais. Le coup en hit, c'était bonus. Limite, il avait pas besoin. Et puis il invoque le soleil ancestral. Ah, dommage. Oh, dommage. Osquoi qui passe. Soit HK qui est tombé en garde. Doskoi. Oui, oh, le. Sur le là, il a bien attaqué la barre de drive. S'il réussit. Ah. Si aussi, il a pris Doskoi. S'il a réussi à rentabiliser ça. Ah oui, le side switch, quoi, la presse. Ah, oh, oh, il a vu d'enfant, oui, écoute. Ok.
Mais il a envoyé son légendaire bas petit point. Il a pas pu. Ça peut donner un pack derrière, mais bon. Là, c'est bien. Une barre. une barre de drive. Allez, un petit doskoï, un coup de cul. Mais c'est du là, si il va approcher, il va prendre toute la, tous les pics, les progéros de la terre entière de JP. Oh, le push counter là-dessus. Oh. Oh, il prend un petit mot presse en l'air. Il a bien mindé le saut vertical sur le doskoï. Il a fait coup de cul. Le petit texte pour renvoyer d'où il vient. Et là, le round qui est quasi pris hein, par Shenzhen. Là, il est bien, Shenzhen, là, il... Oh oui, ah, c'est... Ouf. Il a envoyé son meilleur mix-up. Et ça perd contre le bas, je suis T'avais raison. Joli, BNP en check du doskoï. Ah, Zen, il les connaît, les doskoï, il fait des sauts arrière, sauts... Oh dommage, il n'est pas sorti cette fois-ci de Paris. Doskoï ? Doskoï. Boule, voilà, tu sautes toi. C'est pas Doskoï, il se prend. Il se prend Spire, il faut qu'on s'appelle le Spire en. Oh joli ! Ouf ! Hey ! No ! Hey ! Ah, level 3. Bré ! Lil'im là qui a 0 de vital. Est-ce qu'il a le level 3 ? Ouf ! Il tue derrière. Saut vertical, carotte de chop. Et c'est finito. Yes, du coup Zen qui va rester. Ouais, Zen il a cadenassé le match. il a joué comme il le fallait. Il a fait ses trucs. Des petits sauts verticaux, sauts arrière sur le doskoï. Et on repasse à la grande finale. Grande finale, Hakim. Contre Zen. Zen Shen. Rachid JP. On n'en voit pas tant que ça des JP en plus sur Lyon, alors. Moi je dis, on va voir 5 fois la level 2 de Rachid. je pronostique 5. 5 5 level 2. Alors 5 pendant 6 reset ou 5 avant le premier FT. Dans le FT2. Le premier FT2. C'est quasi une par round, donc en vrai il y a moyen. Hein. Alors moi je parie sur aussi, alors dans ce cas-là, c'est des 5 level 1 de JP. Ah c'est vrai, est-ce qu'elle est utile dans le match? Bah pour pif en fait, ça s'il veut piffer, ouais c'est plutôt c'est pas mal. C'est vrai que c'est son pif du coup. Non je me disais, est-ce qu'il a un truc qui passe... Genre quand le Rachid mid-screen il essaie de charger la tornade... Ah! Pour après laisser le sable et faire tournicoti dedans. Est-ce que la level 1 elle passe. Si elle touche ou elle passe à travers. Là j'ai un doute, j'ai jamais vu ça. Il y a peut-être moyen. C'est eux qui vont nous dire. Moi je sais qu'elle passe les projectiles. Mais... Ah, elle passe les projets, mais est-ce que ça passe les projets de. Le truc chargé. Le truc chargé. Ou si le projet passe avant celui de Rachid à JP. C'est vrai qu'FT2, le street, ça va vite, hein. Complètement. Le BMK qui a rendu, hein. Joli en tir. Le BMP de Rachid. Le bon press de Zen Shen, là, qui attaque la barre de drive encore une fois. Le petit lot qui passe. Oh, il passe derrière, bien vu. Ouf, oh, le verre combattable en drive rush. Ah, dommage, ça a tué. Il a hésité, il a fait baba, il savait pas, trop quoi faire. Il a T-bag là, dans un instant. Oh, ouf, voilà, ça va être dur là pour les JP. Là, tout est possible. Tout est possible, là. Du coup, là, c'est pour ça que j'ai dit la level 1 de. Oh, du JP là, de Zen Shen, ça peut passer. Genre là, fait la level 2. Non, il faut la garder pour le round d'après. Chop, ça tue pas. Ah oh bah il a gagné. Ah bon. Mise à terre, level 2. C'est level 2 ça, c'est ça, ouais. La tornade. Il a ouvert le compteur. L'entière qui fait double touche. Bah, joli.
Le MP counter est bien confirmé sur la double touche. Un petit tour Nikoti. Ouf, oh la misère, on va pas. NJX qui est pas, qui a pas voulu prendre d'embrouille lui. Ah oui, oh, joli. Il a pas eu confiance hein. Ouais, sur la téléportation, mais c'est vrai que des fois on s'y attend pas que l'adversaire prenne le coup. La Jua de toute façon il était gagnant. Là il reprend un peu de distance. Hop, un petit choc. Ça c'est le mix, ça c'est boule boule d'un coup, chop et ça chope et là, t'es concentré dessus. On a la deuxième level de carte. Ah, oh là, le petit saut de ratos. C'était un MP encore une fois cassé. La chope bien trouvée de la part de Zenshen avec la menace du portail. Ouf, ouais, c'est puni ça, oui, bien vu ça. J'ai qu'à en garde. Et deuxième level 2. Pour Nikoti, je te renvoie de là où tu viens. Oui, je te route. Je reviens. Attends, on est toujours là. Et l'antière qui essaie de retrouver. L'antière de la shop. Hop, petit back throw. Encore un shop. Yes. Ça tue pas. J'ai un doute. Ah, ça peut tuer hein, là. Hein. Même la CA. Il est en CA ou pas? J'ai pas vu que c'était en CA. Il claque. Oh, pff, oh oui, ça tue. T'as dommage, jusque-là, il y avait pas loin de la 3ème. Ah, c'est pour mettre plus de level 2 et il nous fait ça, Zenshen. Hey, le MP qui a whiff punish le HK. Ça pif. Marquer son territoire. Le avant-HK. Nice. Oh, oh, la part beau, de Zenshen. La mise à terre, portail. Et on se disparaît. Et le Dry Rush qui passe. Voilà, bien ça DLP, Zenshen qui est obligé de mettre la garde deux fois. Oh oui, il avait arrêté. Oh oui, t'as bien joué ça. Enfin, on l'a relevé en missile, ça tue. Ouf, non, ah. Oh, ouais, non, écoute. Le tour pour le tour, autant. Ça tue. Allez, troisième level 2. Joli. Zenshen qui passe à l'attaque là, il peut pas laisser Hakim poser son jeu. Il essaie d'être un peu plus offensif. Oh oui. Très bon réflexe d'Hakim. Nice switch. Tom des IEX là, Audi, pardon. Spike. Setup derrière, bien oui. Ça le bel P en. Je sais pas laissé endormir, il a check. Ouais. Je reprends le contrôle du centre, monsieur. Et je réattaque ta barre de drive. Bon, ça va tuer ça. Ouais. Ah. Ça tue, c'est à 100%. Et la troisième. Ouf, oh, Zenshen qui est resté stoïque, mais il a un driver reversal. Oh, oh, il aurait pu combler là. Non, ça... Oh oui, oh, oui. Ah, du coup, il a pas fait de d'un homme. Et du coup, balle de match pour Zenshen. Et balle d'égalisation pour Hakim. Tout balle de reset pour Zenshen, hein, surtout Zenshen qui vient des losers. Oh, l'amnésia qui a contré ça. Ouh, comme il était en mythi, je pense qu'il ne devait pas être punissable. Bien joué là de la part d'Hakim. Qui a réussi à remettre Zenshen dans le coin. Il confirme bien là, ce counter hit. Il dit tue pas, t'avais la lune. C'est 4, putain. On reste à 3. Hakim qui égalise. Allez, un partout. Oh là, déjà balancé comme ça. Finish counter. Le drive rush. Hakim est sorti gagnant. Et là, c'est la finition. On est trop loin pour que le MP touche. Soit HK qui passe. Oh bon, ouf. Tac. Il a pas pris la carotte en déchopant, mais il a essayé d'en tirer. Et là, il s'est fait avoir sur vertical. Bonne garde. Prends la chope. Est-ce que la level 2 de... Oui, oui. La troisième level 2. Non, la quatrième. Quatrième, ah oui, ouais. Putain, mais j'ai un de retard. Je sais pas compter.
Hakim qui a pu tuer là sur. Elle est plus qu'une dernière. Elle essaie de remporter juste ce round là où on est en dernier level 2. Le parfait pari qui est bien trouvé de la part d'Hakim. Il a réussi à coincer encore une fois Zenshen dans le coin. Les pressings oppressants de Rachid qui trouve encore une fois le perfect pari. Oh. Reset into Drive Impact, c'était bien joué. Et le mix-up qui est bien trouvé. Il envoie tout avec la level 1. Non, ça tue pas. Ça tue pas. Mais il charge une level 2 et il aura pas le temps de la faire. Ah, bien joué. Oh ouais, c'est cette pression de. Hakim, inarrêtable. Inarrêtable. Cette il pression s'impose. De Rachid, incroyable. Merde, j'ai mis 3. C'est 2. Putain, il en manquait une. Il, a... il en a une. Mais il l'avait. Il avait 2 occasions de le faire. Le de faire techniquement, level 2. Ça compte. C'est 4,5. Qui se passe sur le braquet. Bah du coup oui bah parfait du coup script belle victoire de Hakima. Zenshen qui n'a pas démérité. Oui et il y a ça qu'on retrouve sur Kov juste après. Jolie deuxième place. Et Lille oui. Avec son Honda qui clôture le podium. Qui est au podium en troisième. C'est parfait. Du coup on va lancer le top 3 de Kov d'ici du coup on met une pause de 5 minutes. Le temps de changer de console, chercher les joueurs, Zen est déjà là, on va chercher... Kaito, Zen et Kem. Ah, Kem à la manette, ça c'est fort aussi, ça, tu vois Kem à la manette... Peut jouer n'importe quoi. C'est un nouvel homme. Allez, du coup, on vous dit dans 5 minutes, le temps qu'on fasse tous ces changements, qu'on cherche les joueurs, on vous dit à tout de suite. Ouais.